Salut! Hey! Aujourd'hui, juste une petite vidéo pour te dire que je viens de sortir 14 vidéos tutoriels sur la montre Garmin Tactics slash Fenix, parce que c'est à peu près la même chose. Et c'est ça, c'est en ligne, donc 7 en français et 7 en anglais, ce qui fait 14. Donc il y a 7 nouvelles vidéos pour toi, pour t'aider avec la navigation surtout. Sinon, j'ai fait quelques autres petites choses, mais il y a une énorme vidéo de 20 quelques minutes sur le menu de navigation. Il y a des explications comment fonctionner avec l'application Garmin Connect pour faire des itinéraires, aussi avec l'application Garmin Explore pour utiliser la carte et se rendre directement à un endroit qu'on appuie tout simplement sur la carte, comment sélectionner des endroits à partir de la carte, à même la montre, comment taper le nom d'un endroit où est-ce qu'on veut se rendre sur la montre. Vraiment des belles fonctions qui, en tout cas, c'est sorti depuis hier et aujourd'hui, et il y en a qui performent quand même déjà bien. Et quand je sors des vidéos sur cette chaîne-là, je fais aucun annoncement, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui recherchent ce genre d'informations-là, alors peut-être qu'il y en a qui sont intéressantes pour toi. Et j'ai commandé 2 autres montres de Garmin. Je vais te montrer ça dans les prochains jours, j'espère. Je ne les ai pas encore reçues et je te dirai c'est lesquelles lorsque je les recevrai. Mais d'autres montres que j'ai hâte de recevoir, parce que je me suis mis à regarder les vidéos que j'avais faites avec la Garmin Instinct, et honnêtement, il y a l'air d'avoir beaucoup de demandes pour ce genre de montre-là, pas trop dispendieuse. Non, c'est pas surprenant, c'est logique. Alors, j'en ai commandé une autre moins chère que la Instinct, et une autre beaucoup plus chère. À venir. Et en attendant, j'avais oublié d'en parler la semaine passée, mais il y a Anne-Sophie de Une Blonde en Norvège qui a sorti le dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble. En fait, on avait enregistré tout ça d'un coup, ça avait duré à peu près 3 heures. Et elle a décidé de séparer ça en 3 épisodes. Donc, sur celle-ci, ça va être sur les voyages, sur le voyage en général dans les pays scandinaves et non seulement la Norvège, parce que son podcast porte surtout sur la Norvège. Donc, c'est déjà disponible. Tu peux même aller voir ça juste ici. Et c'est ça. On devrait se revoir demain ou très prochainement. Moi, je vais aller travailler fort probablement sur la critique de la Garmin Tactics. Je ne voulais pas la sortir plus tôt parce que je savais que cette montre-là, j'allais l'utiliser tout le temps, à partir du moment que je l'ai eu. Et là, ça fait entre 5 et 6 mois à peu près que je l'utilise, alors je suis prêt à faire une très bonne critique. Alors, je vais commencer à aller travailler là-dessus, et nous, on se revoit bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!